73-51, les stations fréquences de la route de la part de Nandi 33 depuis Libourne. Et bonne journée. Alors tout à l'heure, j'ai entendu du monde. C'était beaucoup trop QRP. Hein. Alors si c'est comme hier, ça va promettre. Cet après-midi, ce soir. Vu la modulation, je dirais bien Colibri du côté de Limoges ou Angoulême. Donc ça veut dire que déjà dès ce matin il y a un peu de propague. Attention les stations de la route pour Dany 33 qui dans sa belle. Oui Daniel, les 73-51, voilà, je viens d'attraper la rocade. Putain, c'est un peu compliqué ce matin pour passer hein, là sur les ondes. Putain, cette propague qu'il y a eu hier après-midi, la vache, là sur le 19, les départements français passaient, ça arrivait de partout. Quoi. Bon, ben, je retrouve les mêmes bouchons qu'hier. Voilà, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire très bien même. Non, je dis, je retrouve les mêmes bouchons là que hier. Je suis dans la dernière, je dirais pas ligne droite, dans la dernière ligne avant le pont d'Aquitaine. Putain, mais les mecs là, ça déboîte d'un seul coup devant le nez et tout ça. Aïe aïe aïe, c'est un grand coup de moi d'abord. Ah la vache, ah j'ai du mal à te sortir. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est compliqué là ce matin quoi. Hier, je me suis mis sur le 19, le canal 19, le canal 27,
Et en AM, j'ai attrapé pas mal de départements français. Quoi. Ça arrivait de partout, partout, partout. Hein. Ah oui, elle était vachement forte hein, quand même la propague. Je veux dire, au niveau département français, c'est vrai que c'était quand même pas mal fort. Quoi. Bon, c'est bien. On va pouvoir s'amuser. Ouais, du coup, moi qui voulais rentrer calmement, qui voulais du silence dans le bouche, eh bien, quand j'ai entendu la propague avec tous les copains et tout, là, du département français, de ça, ah, je me suis dit, non, je peux pas résister, là. Quand de moi, c'est pareil. Mais moi, je vois ça, je peux pas monter dans la voiture. Quand je suis tout seul, la porte est toujours allumée. Ah oui, non mais je suis exactement pareil. Hein. Je vais dire un truc, au QRA, quand je suis sur l'ordinateur, j'ai constamment le web SDR d'allumer derrière, hein, ce qui revient au même que le poste, puisque de toute façon derrière c'est la même antenne. Donc, ah oui, voilà. Ah, je suis trois coups. Bon, là, j'ai passé pour l'Aquitaine. Là, je suis en bas, à la hauteur de la première sortie. Quoi. Ouais, c'est bon, là, j'ai pas passé, là, il n'y a pas de problème. Ah, ben, j'ai passé la poudre, là. Oh, j'ai du drôle, là, qui s'est passé. Ouais, par contre, je remarque que je dois avoir un gros souci avec les batteries là, de la caméra, celle qui est sur le poste. Elle clignote tout en rouge. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de me lâcher. Quoi. Ça, c'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. Quoi. Ouais, et là, je les ai toutes étalées là, sur le siège. Je suis en train de toutes les passer une par une. C'est pourtant je les ai chargés là, ouais parce que bon cette nuit hein, j'ai pas mieux dormi que la nuit précédente. Hein. Quand on est noctambule et qu'on bosse de nuit, forcément quand on se retrouve en journée comme ça, eh bien à chaque fois c'est du blanche. Et toi cette nuit j'ai regardé les minutes passées une fois de plus. Donc plusieurs fois je me suis levé pour changer de batterie là sur la caméra pour mettre en charge la suivante et ainsi de suite. Mais je vois là, ce matin, là, c'est, elles sont toutes étalées, là, et sur le siège, elles sont toutes dans le rouge. Hein. Je comprends pas trop ce qui se passe, là. Peut-être qu'elles n'ont pas aimé le coup de chaud qu'il y a eu ces derniers jours. Possible aussi. Ah, ça, c'est possible, oui, tout à fait, oui, parce que les batteries, c'est pareil. Hein. C'est comme un eau, ça s'use. Ouais, et puis en plus, oui, si c'est au soleil, encore plus. Ben, alors, au soleil, non, parce que je mets toujours un truc, un chiffon par-dessus. Et à température ambiante du bouche, ça monte vite hein, dedans. Hein, quand c'est à l'arrêt comme ça, là, au QRA. Ah oui. Oui, non, mais même le fait de les avoir, oui, comme tu dis, à la chaleur, non, c'est, je dis, au soleil, non, c'est à la chaleur que je voulais dire, chaleur ambiante de... Ouais, ben là, je viens de passer le lac. Là, ça va tout bien. Là. Bon, de toute façon, on est plus très loin de l'un de l'autre. Du coup, je sens que je vais passer la journée à charger les accus de la caméra là, pendant le stage. J'ai repéré une prise de courant, donc je vais m'amuser à voir ça là, tout au long de la journée, là, au moment des pauses. Ah, dès qu'elle arrive, ça ne fait pas la place, hein, parce que t'as vu, hier, je peux la recharger son téléphone. Hein. Elle passe son temps sur le téléphone. J'ai rien dit, mais j'ai rigolé hier. Elle est constamment sur le téléphone. Son téléphone le reste collé à la main, quoi. J'hallucine, quoi. Ah, je peux pas, moi, à ce point-là, quoi. Bon, c'est vrai que ça m'arrive, hein. Ça m'arrive. Bon, mais quand je suis comme ça en formation, c'est sûr, mais bon, on est en formation, donc on n'a pas sur les téléphones. On est là pour s'informer, on n'est pas là pour s'informer. On n'est pas là pour être sur le téléphone.
Oui, exactement. Bon, quand on était sevré, je comprends bien et tout, pour passer le temps, voilà, en guise de passe-temps, quoi. Mais c'est vrai que quand t'es en plein stage, en plein boulot, en plein réunion, en plein ceci, en plein cela, bon bref, occupé, le téléphone, tu le laisses de côté, hein. Mais elle, non. C'est tout simplement pas possible. Alors je la voyais lancer des applications, la refermer, en lancer une autre, refermer, répondre à quelqu'un, tac, envoyer, refermer. Je l'ai vu passer la journée comme ça, quoi. Ouais, bah là, moi, c'est vrai que ça passe mieux qu'hier matin, je trouve. Par contre, tout à l'heure, il y avait un petit peu de propague, puisque j'entendais la colibri qui est sur, je crois que c'est Angoulême, de ce côté-là, quoi. J'ai entendu là tout à l'heure sur la route. Et puis bon, là, ça s'est calmé, c'est tombé. Et tombé un peu plus bas qu'hier même, puisque c'est vrai que là, j'ai eu plus de mal à te sortir qu'hier. Ah ouais, quand même, ça c'est, tu sais, les jours sociaux, mais ça ne ressemble pas, hein. Ah, tu m'étonnes. Et par contre, vu la météo, j'aurais bien pris la moto ce matin, mais je me suis dit non. je pensais à toi que j'aurais en fréquence ce matin, je me suis dit non, tant pis, la moto restera à la maison. Demain matin, ils annoncent 9 degrés là au QRA. Oh, ça va faire un peu froid, ça. Donc il y a de fortes chances que je prenne la voiture aussi demain matin. Ok. Ah ben ça a accroché là juste avant le rond-point de Dassault là. Ouais, ça vient d'accrocher là juste avant le rond-point de Dassault. D'accord. Et là je suis en train de regarder là au niveau de la caméra. Ça clignote, j'ai la batterie qui clignote en rouge et pourtant depuis tout à l'heure là ça tient. Je comprends pas trop là. J'ai loupé un passage là. Elle aurait dû s'éteindre, mais bon, tiens. Bon, bizarre. En tout cas, là, j'en ai marre des petits bouts. Hein. Oh putain la vache. Là, avec hier, vendredi, je vais passer la journée au travail vidéo. C'est sûr et certain. Ok. Attends, c'est pas Nono. J'ai essayé de la parler plusieurs fois. Nono, c'est là, j'ai pas de réponse. Donc, peut-être qu'il est parti à la retraite, comme je sais qu'il m'avait dit qu'il avait plus grand-chose à faire non plus. Voilà, donc je ne sais pas, je pense peut-être qu'il doit être parti. Voilà, bon, enfin. Ok, pour les batteries, puis pour vendredi, vendredi, qu'est-ce que je vais faire vendredi? Si j'ai un truc, je crois que je dois faire, je ne sais plus. Voilà, qu'est-ce que je dois faire, je vais faire, il met les warnings, là, il a peur de faire chez tout le monde. Voilà, je viens de loger la piste de l'aéroport, hein. Voilà, je suis à 2 minutes, là, d'arriver. Bref, les stations, bref. Oui, la station, les 73-51 de Dundee 33 sur la rocade à la hauteur de... Air d'Aquitaine. Voilà, avec menuisier de France, les menuisiers de France à ma droite. Ah putain, je suis passé en plein dans les QRM. Station totale à Mérignac, voilà, les 73-51 retournés Dundee 33. Putain, Mérignac, c'est une zone à éviter hein, pour la CIBI. Oh putain la vache. Je t'ai entendu gazouiller la station, ça il n'y a pas de problème. Voilà, j'arrive à la hauteur de la sortie 10 Martignas. Voilà, je suis en train de passer devant là. Putain, mais c'est vrai que Mérignac ça a toujours été pourri au niveau QRM là, de ce côté-ci. Hein. Du coup, à cause des QRM qu'il y a derrière, j'ai pas compris qui c'est qui a répondu. Les 73-51, désolé, hein, mais là, je fais ce que je peux là pour entendre correctement.
Et 73-51, toi, bonne journée. Et ben, peut-être à ce soir, vers les 17-18 heures, dans ces eaux-là, quoi. On sait jamais si c'est comme hier, ça promet. Ben ouais, ouais, pour vers 18 heures, je serai connecté. Ok, là, ça passe mieux. J'arrive au niveau du Buffalo. Voilà, là, Mérignac. Hier, ça te propage. Il y a tous les départements français et tout qui passait et tout ça. C'était, ça a été vraiment super. Hein. Ah ben, alors là, je suis noyé dans les QRM. Les 73-51, les stations, je suis plus très loin d'être rendu là où je dois aller. Ouais, t'as coupé la radio à Alpha 33, les 73, Daniel, mon poulet. 73, Alpha. Ah, c'était Alpha, désolé Daniel. Ah, ben je me doutais que tu l'avais pas reconnu. Ouais, ouais, c'est l'ami Alpha. Mais je vais encore monter son prénom. Voilà. Putain, faut pas vieillir. Faut pas vieillir. Ah, oh, d'accord. Ouais, oui, c'est Alpha 33, oui. Ben, c'est pareil, tous les matins. Oui, oui, on fait souvent ce question tous les deux, là. Voilà, ça arrive. Voilà, quand je l'entends. Voilà, exceptionnellement, puisqu'on est de bonne heure. Donc, voilà. Ah, ben, tu vois, je suis arrivé. Voilà, tu vois, je tourne, là. Et je suis arrivé. Mais c'est même pas histoire de vieillir. Oh, le salaud. Non, non, c'est que là, j'ai un paquet de QRM, je l'entendais à peine. Il fallait vraiment tendre l'oreille pour sortir quoi que ce soit. Quoi. Ah, il y a Philippe déjà qui est là. Ah, ok. Eh bien, le temps de faire le tour du rond-point et revenir en arrière, et puis je serai là aussi. Là, pour l'instant, j'ai le tramway là, à côté de moi. Ah, hier j'étais à droite, aujourd'hui je serai à gauche. Ah ah. Je serai juste en dessous de nos fenêtres. Oui, ok, compris. Ah, tu vas où là, Alpha, ce matin? Ah, il m'entend plus. Ah ben comme j'ai tout coupé, moi c'est pareil. Hein. Attention à la station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel à mobile depuis Mérignac. J'ai un sérieux problème de batterie. Ça a chargé là, toute la journée et ça clignote rouge. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis Mérignac. Ah mais non, c'est pas un problème de batterie, quel âne je fais. Ce que je prends. Non mais vraiment, il y a des fois on est à l'envers. Hein. Ce que je prends pour un problème de batterie, c'est le voyant rouge clignotant d'enregistrement. Putain, mort de rire. Oh le con. Bon, faut rigoler de ses propres conneries. Hein. C'est toujours plus intéressant, plus marrant que de se moquer des autres. Hein. Et la voiture, non mais c'est bon quoi. Allez-y. Bon Rémi, est-ce que tu avances? Oui, et en plus je viens de réaliser ma connerie au niveau batterie. Non mais n'importe quoi moi. Attends, tu vas rire. Alors ça va te réjouir la fin de journée. Le voyant rouge, le truc clignotant rouge que je voyais de batterie, en fin de compte, c'est quand l'enregistrement est lancé que c'est qu'il y a un clignotant rouge. Le niveau de batterie, il est au maximum, il est au taquet. Putain, non, mais il y a des fois, sans déconner, non. Non, mais il y a des fois, on est con. Hein. Ah, mais ça m'étonne pas.
c'est arrivé plus de 9 fois d'un truc comme ça. De chercher le pourquoi du comment. Ah, ça y est, il y a des hélicoptères qui tournent là. Ouais. La protection civile là. Ça y est, là, je suis le long de la. Le long des pistes. Ouais, tu vois, ça a déroulé ce soir là. Là, tu vois, j'ai attaqué là, sans trop avoir de difficultés là. Pour aller sur d'assaut là, tu vois. D'accord, ok, ben moi je suis au feu là au niveau de la zone commerciale de Carrefour, tout ça, hein. Face à Delhart. Là je suis prêt à tourner à droite, la direction de la rocade. Ah ok, d'accord, ouais, non mais de toute façon, ouais, ça allait très vite là, ça allait très vite. Ouais, mais tu vois, j'ai écouté un peu là sur le 555 et bon, écoute, j'ai pas entendu. Autant de propagation que hier, voilà, au niveau des départements français, j'ai rien entendu pour l'instant, un peu plus grand. Ouais, ben, tout à l'heure, quand j'étais là sur le parking dessus, là, j'entendais l'Espagne qui passait, de ça, et bon, là, je me suis dit, bof. C'est pour ça que je suis aussitôt descendu sur le 19, pour voir un petit peu de ce côté-ci. Et là aussi, hein, c'est un peu bof, là, derrière. Bah ouais, donc, bon, ben, écoute, on verra bien, hein, de toute façon. Quand tu vas t'éloigner, quand tu vas t'éloigner, je ne saurais pas ce qui arrive à la maison. Ah, tu m'étonnes. Bon, j'espère que ça va mieux rouler qu'hier. Parce que bon, c'est vrai que, quoique hier, ça m'a permis de bien en profiter quand même. Avec tout le monde que j'ai eu en fréquence, ça a été vraiment super hier. Ah ben oui, avec la circulation et tout, effectivement, ça t'a permis de pouvoir faire des QSO. Oui, parce que certains me disaient, je compatis là, être coincé dans les bouchons. Je dis non, mais au contraire, moi c'est un avantage d'être coincé dans les bouchons. Parce que même si j'ai la station au QRA, bon, en attendant, quand j'arrive au QRA, je fais autre chose, je m'occupe de mes affaires, ceci, cela, sur internet, patin, couffin. Donc la radio au QRA n'est pas si évidente que ça. Et en mobile, par contre, là, oui, tant que je suis en mobile, je peux en profiter un maximum. Quoi. Et hier, c'est vrai que ça a été un vrai régal. Oui, le break. Ah, j'ai entendu aussi. Oui, le break derrière. J'ai entendu le break lointain. Ouais, le break, les 73-51, le break de Centaure avec Dandy 33. Ah, c'est beaucoup trop QRP de mon côté, et puis en plus là j'ai 3 tonnes de QRM, aïe aïe, du coup je l'ai complètement perdu. J'ai pourtant fermé la fenêtre pour essayer de le sortir, mais non, ça, j'entends plus. J'ai entendu le bip, mais c'est tout, j'ai pas entendu l'audio. Ouais, il y avait le bip qui était passé, mais pas l'audio. Oui, ben ça me l'a entendu gazouiller, mais bon, c'est vraiment, vraiment complètement inaudible de mon côté. Ouais, ben écoute, on va peut-être qu'il s'éloigne, la station doit s'éloigner, je ne sais pas, bon, écoute, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Bon, en tout cas, moi je suis sur la rocade, c'est nickel, c'est, pour l'instant, ça va mieux qu'hier. Ah ouais, non, mais moi je suis bloqué là, tu vois, entre Dassault et la station totale des Saint-Chemin là, tu vois, c'est là où ça merde. C'est bon ça. Je suis en train de... Là, je vais pas tarder à arriver à... Ben, j'arrive à Smart et aussitôt après les stations essence. Ah oui, donc ça va, oui, ça roule bien alors. Ben, oui. Je suis, c'est vrai que par rapport à hier, c'est le jour et la nuit. Mais bon, je ne veux pas crier victoire trop vite non plus. Hein. Et puis merde, si la propague arrive, je vais beaucoup moins en profiter pour le coup si j'arrive trop vite au QRA. Ah, j'y crois beaucoup. Ah, ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Non, mais là, ça... Ah. Bon, mais là, c'est dans ce là où je suis, là, c'est... Ça merde tout le temps. Enfin, bon, après, je passe cette route-là parce que si j'étais passé de l'autre côté, là, en remontant derrière Dassault, là, par la nouvelle avenue Marcel Dassault, c'était pire que par là où je passe. Alors, donc, je préfère prendre route par là et puis rattraper.
plutôt à gauche que si j'étais passé à gauche. Ok, bon, j'ai eu un gros ralentissement là, aussitôt après les stations essence, avec les gens qui veulent sortir là, à la sortie 9. Alors les gens, c'est au dernier moment, ça bascule de la voie centrale ou de la voie de gauche pour essayer de rentrer dans la file de sortie. Donc là, ça fait un petit peu chier avec ceux qui ne veulent pas laisser passer. Enfin, bon, tu m'as compris, quoi. Entre les moi d'abord et moi, je laisse pas passer. Là, c'était un petit peu, juste là, le temps 2, un petit peu compliqué, mais bon, ça s'est fait. Ah, ils peuvent passer sur leur portable et regarder devant la route. Hein. Regarder les rétros et tout ça. Oh tiens, c'est combien de fois, moi ça m'arrive aussi de voir des gens, le téléphone portable posé soit carrément ventousé dans l'axe de la route là devant eux, ou posé sur le tableau de bord et puis en train de mater un film. Et là, quand je vois ça, j'hallucine. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Moi, le bientôt, il est posé et... comme j'ai le Bluetooth, et puis si jamais j'ai un appel, ça s'affiche sur mon écran. Voilà, ça s'affiche sur mon écran. Si je l'ai dans le répertoire, voilà, si je ne l'ai pas dans le répertoire, et bien tant pis. Ouais, voilà, non, et encore, tu vois, ouais, c'est vrai que je pourrais mettre le Bluetooth, mais bon, j'y pense jamais. Puis de toute façon, là, l'autoradio, il est éteint. Hein. C'est quand je suis à la CB, l'autoradio, il est coupé. Hein. Et je dirais même que la CB est plus souvent allumée que l'autoradio. Ah, chier. Ah, mais c'est comme avant, moi, la radio est allumée que quand je suis avec les Grecs, hein. Ouais, voilà, bon, ça ralentit à nouveau, là, mais bon. Je veux pas dire que là je suis arrêté, même si ça devrait pas trop tarder, et je fais des verres. Ah ben ça roule mieux qu'hier. C'est oui, je confirme, ça roule mieux qu'hier. Bon alors, la station qu'on a entendue tout à l'heure, est-ce que t'es de retour parmi nous ou pas? Ah, je l'entends plus là, Daniel. Hein. Non, c'est pas, j'entends plus le bip là. Non, non, j'entends plus rien du tout là. Ah, tiens, on aurait dit une petite porteuse musicale dans le lointain là derrière. Ah, c'est une porteuse musicale, je l'entends pas. je suis au niveau de. Derrière la SMPE, là, donc je l'entends pas. Ok, bah, je suis à 800 mètres de la sortie 7 de Bouscard. Ah ouais, donc du coup, la sauterie était comment, hein? Ah oui, non, mais là, aujourd'hui, là, c'est bon, ça. Peut-être que je vais pouvoir commencer à bosser là, sur les vidéos ce soir. Je sais pas. On verra bien. Hein. On verra bien. En tout cas, je suis en train de repenser à ma connerie au niveau de la batterie. Non, mais je rêve. Quoique, hier, j'avais vraiment un problème. Hein, parce qu'elles sont toutes parties en live. Peut-être que ça faisait longtemps que je ne les avais pas rechargées. Peut-être qu'il y a eu le soleil, la chaleur dans le push qui était passée par là. Mais là, je vois bien. Là, ça tient le coup, là, aujourd'hui. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais ça certainement, effectivement, on a eu le problème hier, hein, sur la batterie, ça, c'est possible. Hein. Eh oui, parce que pour, je sais plus, j'ai dû faire une heure et demie de vidéo, là, hier. Bon, ben, je m'en occuperai quand je pourrai. J'espère tout à l'heure, hein, qui sait. Ben, tout à l'heure, en rentrant, de toute façon, j'ai commencé à me foutre sur mes programmations journalières, histoire de rester au taquet. Et puis si c'est bon, en suivant, je vais commencer à attaquer le montage vidéo. C'est voilà, tout simplement, quoi. C'est on verra bien. Ah ben là, tu vois, là, je suis à 70 là. Ouais, bon, ben ça, il a fait que je dise ça pour que je ralentisse un grand coup. Mais bon, ça, c'est bien parti pour.
C'est ça va. Ouais. Ah bah tiens, mais voilà. Alors j'ai entendu du monde là derrière. On n'est pas tout seul. Ça casule derrière dans le lointain. Je vais laisser un blanc pour voir. Les 73-51, les stations de Dundee 33 sur la rocade de Bordeaux. Ah, je dirais pas que c'est silencieux derrière, parce que bon, on sent qu'il y a une petite activité, mais bon, c'est plus en plus, quoi. Non, j'entends pas. S'il y a du monde derrière, j'entends rien. Je suis toujours là, de l'autre de la SNCE, et voilà, mais l'arrêt des QRM de l'usine, et les QRM qui sont à côté aussi de gilets. Ben, c'est surtout quand tu reprends le micro, ça fait, bon, vu qu'on est en AM, ça fait un petit coup de on sent quelque chose derrière, voilà. C'est surtout dans ces moments-là que je réalise davantage qu'il y a du monde derrière, quoi. Ouais, non, mais là, je dois même aller faire le plan. S'il y avait du monde, j'entendrais effectivement, mais là, je te dis, là, j'ai un souffle qui m'arrive à 3-4 points, et donc, non, quand ça c'est trop loin, je n'entends rien après. Putain, je viens de regarder, j'ai un ou deux points là, moi c'est tout. Hein. Là, je suis presque rendu à la. Ben, j'arrive là doucement sur la sortie 6, Blanquefort. Voilà là où j'arrive, là, Bruges centre. Là j'arrive. Ah ben ça doit être Jean Villard qui est sur ma droite. Putain, mais ils ont mis des panneaux insonorisants, je te dis que ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Jean Villard qui est à droite, tout à fait, ouais. Ah non, mais moi c'est le. Moi j'ai payé, là, je suis entre les pages et. Ouais, c'est ça. Non, c'est deux ou trois points que j'ai de QRM, c'est tout, pas plus. Ouais. Putain, j'ai pas mes lunettes là pour voir ce que ça donne. Faut que je regarde sur la caméra pour le coup. Mais... bon, bah, en tout cas, bah, c'est bien dommage que j'arrive pas à voir les stations là, comme hier. C'est... Mais bon, je suis pas encore rendu. Hein. La propague a le temps d'arriver d'un coup. Hein. Ah oui, il me semblait avoir un syndicat derrière, mais bon, je ne suis pas sûr. Ouais, il me semblait avoir un syndicat à parler. Ah, toi aussi, pendant que je prends le micro, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui a une activité derrière, quoi. C'est bien ça, quoi. Bah, attends, parce que j'ai déjà entendu, il me semblait avoir un syndicat à parler, oui. Ouais, voilà. Bon, on dirait que je commence à te perdre. Non, ça va, ça passe encore un peu, quoi. Ok, bon, puis en plus de ça, t'as raison, je viens d'avoir une montée de propague de mon côté. Bon, j'ai vu ton signal, il est encore bon, mais avec le QRM que j'ai derrière, ce coup-ci là, dans le virage, je vais te laisser y aller. Les bottes sont 13-51 aussi, je vais aller me promener un petit peu comme ça pour voir, faire le curieux. Et ben, je te dis à demain, Daniel. Ça marche, merci, tout ça, retourner à demain. D'accord. Oui, attention Bernard, attention.
direction Bernard, Daniel Mobile appelle le département 33 la Gironde. Daniel 14, Roméo Alpha 01 Mobile. Oui, QSL Daniel, QSL 100%. Donc ici l'opérateur Bernard, 14, Bravo Lima 69, département du Rhône, limitrophe avec le département 01 et 71. Voilà, ouais, ça passe bien, une bonne radio de 4-5. Ça, c'est pas terrible, ça. Prenez une montre connectée. Non, négatif. Tu es découvert par une station espagnole. Négatif, donc tu peux faire un QSY 580 580-580-580, s'il te plaît. Avec un MS-145, un micro, avec un micro président. C'est pas possible, ça. Ah. Non, négatif, QSY 585 585 585. Bon, ce qui s'est passé, alors j'ai une montre connectée avec le téléphone. Le téléphone, bah oui, bah, tout ça est en Bluetooth. L'autoradio pourtant éteint. Eh bien, il m'a détecté quand même la connexion du téléphone. Un coup de marche arrêt sur l'autoradio, ça permet de couper le sifflement. Comme quoi, les trucs connectés, c'est pas toujours idéal. C'est pas évident là le QSO. Même pas, je vais breaker. Breaker là-dessus, ça serait foutre la merde encore plus. Attention, les stations fixes pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. Bon, ben là, c'est pas la peine. Attention, les stations mobiles pour Dundee 33 qui lance appel depuis la rocade de Bordeaux. Attention, la station là, sur la rocade de Bordeaux. Affirmatif, les 73-51 de Dundee 33, voilà, en mobile sur la rocade de Bordeaux. Ouais, c'est devenu tout QRP là de mon côté. Là c'est le temps, il a fallu que j'avance, que je bouge de quelques mètres là sur la rocade là pour te perdre la station. Et zut. Et dommage.
Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel à mobile depuis la rocade de Bordeaux. Qu'est-ce qui fait chaud dans la voiture? Elle est où la clim? En option. Il est encore là, Daniel. Département 83. Quand je suis sur la route, j'ai plus de mal comme ça en BLU. Je dirais pas contre nature, mais bon. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel à mobile depuis la rocade de Bordeaux, Bordeaux-Lac. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux sur Bordeaux-Lac. Attention, Drakkar, Nounours en guimauve, guimauve et chocolat. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel. Oui, la station, il y a du monde, les 73-51 de Dundee 33 sur la rocade de Bordeaux depuis Bordeaux-Lac. Est-ce que des fois ce serait pas Alpha 33 qui aurait répondu? Ah, mais il a eu peur. Kakini, les 73-51, Kakini de Dundee 33. Hola Dundee 33, bonjour, de la Côte d'Or, la ville de Beaune. De les 73-51 retournés, j'ai pas compris le QTH. Bon, pour ma part, là je suis sur Bordeaux-Lac, voilà, c'est en plein dans les bouchons de la rocade de Bordeaux. Et il faut bien plaisir ces bouchons, parce que au moins comme ça, je peux profiter de la CB un peu plus longtemps. Donc je reprends, ok, Dundee 33, les bouchons de la ville de Bordeaux, ici l'hôtel
l'autoroute A6, mobile, à la hauteur de la ville de Beaune, la Côte d'Or, le département 21. La vache! Ah ben voilà, ça y est, enfin! Désiré est arrivé. Depuis tout à l'heure, j'attends que la propague là, au niveau de la M bascule sur les départements français. Et bien voilà, là c'est fait. Je vais pouvoir en profiter un peu comme hier. Hier, ça a été génial. Et là, je vois que là, ça va repartir pareil. C'est bon ça. Tout à fait. La semaine dernière, ça cartonnait plein pot. Là, on trouve le propague sur la France. Hein. Et même un peu l'étranger, voilà. Ouais, si j'ai eu le temps, j'ai regardé vite fait. Ouais, c'est 58 à peu près dans ces eaux-là, là, de mon côté, là, dans le mobile. Et là, je suis avec le Lincoln 2+, là, dans le push, et au niveau antenne, et bien la Wilson 5000. Ok, bah, mon côté, CIO Performer 5000, donc sur le camion, pour une casquette de la cabine. Ouais, j'ai aussi le barbecue derrière, pareil, et ben, même puissance. Ouais, là on est pareil là tous les deux. Et pour le poste, le S9, ah putain, il me fait bien envie celui-là. Ah oui. Là t'as un poste de légende. Oui, j'ai cherché longtemps. Je l'ai trouvé, je l'ai fait remettre en ligne par quelqu'un qui bosse pas mal. Ah, tu passes plein pot avec, hein. Ah, c'est sûr que là, au niveau modulation, là, ça passe vraiment plein pot. Hein. Et ça m'étonnerait que, je crois que même en Italie, là-bas, ils doivent t'entendre plein pot avec. Hein. Ouais, de temps en temps, je fais un saut sur le 45, oui. Oui, les 73-51 à la station qui m'a envoyé 73-51 là derrière. Ah bah tu m'étonnes. Et pour ma part, je suis en push. Hein. Donc j'ai l'antenne qui est en plein milieu du toit. Donc là, moi de mon côté, c'est vrai que je vais pas me jeter de fleurs sur l'installation. C'est forcément tout cuiro de mon côté là, au niveau de ce côté-là pour l'antenne. J'ai eu aucun problème pour l'installer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi c'est pareil, hein. J'ai tendance à être un gros bavard. Quoique, si on n'était pas bavard, on serait pas la CB tout simplement. Quoi. Mais bon, c'est vrai, ouais, t'as raison, il faut laisser un peu de place là pour les autres stations. Bon, là, je suis en train d'arriver, je suis presque arrivé au pied du pont d'Aquitaine. Donc là, ça risque de faire un peu de bruit dessus. Donc là, je vais laisser la place aussi aux autres stations pour lancer leur appel. Puis après tout, c'est le canal de la route. Donc, place à tout le monde. Merci le lapin Gauthier, les 73-51, retourné d'Indy 33, Rémi, voilà, au pied du pont d'Aquitaine. Alors, propague hier, propague aujourd'hui,
Demain, je sais pas, j'hésite. Je vois là l'heure, 18h ici. Alors hier, aussitôt après le pont d'Aquitaine, attends, ça fait du bruit tout ça. Hier, aussitôt après le pont d'Aquitaine, il était 18h15. Donc là, allez, à la louche, j'ai gagné un quart d'heure déjà là. Voilà, là je vais me lâcher. Les 73-51, les stations en fréquence, là sur la route, là depuis sur le canal 19, depuis le haut du pont d'Aquitaine, sud-ouest de France, la Gironde, de la part de Dandy 33, opérateur Rémi. 67, oui, depuis 7. Ah ben tu m'étonnes, là ça arrose là depuis là-haut, puis pont métallique, la flotte en dessous, il y a tout ce qu'il faut pour passer plein pont. Comment est l'Italie? C'est l'autre départ, mon ami. Voilà, c'est route de Jean-Joseph. Ok, l'Italie, 73-51, retourné, Dandy 33. D'accord, mon ami, bien écouté. Je vous appelle, à bientôt. Oui, la station de Pithiviers, les 73-51 de Dandy 33 sur Bordeaux Nord, enfin Bordeaux Nord-Ouest. Donc c'est Pithiviers 57, hein, le département 57. Ok, Pithiviers 57. Désolé. Les 73-51 à toi. J'ai cru que c'était la ville de Pithiviers qui répondait. Donc ça passe bien pour de mon côté. On dirait presque que tu es assis à côté de moi dans la voiture. Cette cacophonie, il y a l'Italie, il y a les départements français, il y a tout le monde, en dessous, en travers, ça arrive de partout. Ok, je laisse la. Ah, tu passes très bien de mon côté, 73-50 retournés. Oui, allô, 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 les 73-51 de Dandy 33 dans les bouchons de Bordeaux. Allô, attention dans la population. Allez, beaucoup de propagation, affirmatif, beaucoup de propagation. Attention les stations fixes pour Dandy 33 qui lance appel. Attends, ce coup-ci j'aurais dû couper par leur mot. Le quart d'heure que j'ai gagné, je vais le perdre. Attention les stations fixes pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux.
Le 3-4 de Est. Fréquence. Et 73 14 bravo Charlie 33 01 Rémi en mobile sur la rocade de Bordeaux. Et 73 au tourné, là je suis coincé en plein dans les bouchons de Bordeaux. Voilà. Ça passe vraiment bien. J'ai pas trop moyen de regarder le signal à cause de la circulation. Mais c'est une excellente radio de 5 là de mon côté dans le mobile. Justement, et ça m'arrange parce que comme ça, moi j'en profite pour moduler davantage en mobile. Et pour la fraîcheur, et ben je t'envie parce que toi là, il me tarde d'arriver au QRA pour prendre une bonne douche. Ici, là, c'est la grosse chaleur. Là, il fait vraiment très chaud là, ici, là, sur la Gironde. C'est waouh, et surtout dans le mobile. Alors, je garde les fenêtres fermées pour pas avoir trop de bruit, mais bon, c'est vrai que là, ça cogne quand même pas mal là, ici. Hein. Et pour la station, oui, à tous les jours. Je vois de qui tu veux parler, ça doit être Daniel, 14 km 3306. Et pour mon QRZ local sur la Gironde, ben c'est Dandy 33, voilà, tout simplement. Je comprends ça, quoi. Effectivement, non, mais c'est vrai que cette année, au niveau météo, c'est vraiment pas le top. Hein. Là, c'est partout pareil, hein, parce que je vois, j'ai des amis là sur le Québec. Ben, eux, de leur côté, hein, c'est pas ça non plus. Hein. Et là, ces jours-ci, là, c'était au contraire beaucoup trop de pluie au point de voir les égouts déborder et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment partout que c'est pas top au niveau météo. Hein. Également sur les armées, bien plus chaud que d'habitude.
sac à dos. Ah, je suis en train de perdre. Ok, heureusement qu'il y a Roger Bip, parce que là, sur la fin, j'étais complètement perdu. Donc, ok, j'ai eu Roger de tout, j'ai eu QSL de tout. De mon côté, alors c'est soit la batterie qui est faiblie ou la propac qui a tourné. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, de mon côté, les conditions de trafic, c'est le Lincoln 2+. Donc, on va dire équivalent au 7009. Et au niveau de l'antenne, ben, je suis pas aussi haut, puisque là, c'est l'antenne de push hein, qui est sur le toit du mobile. Une Wilson 5000. Bon, là, vu que j'étais quand même pas mal perdu, si des fois c'est la batterie qui est un peu trop faiblie, je vais t'envoyer les 73 de suite de la part de 14. Bravo Charlie 3301 Rémi. Et bon QSO si tu ne peux encore, si tu as encore du jus derrière. Je vais taper. Bon ben ça passe plus de mon côté, je t'entends plus. Les re 73 14 bravo Charlie 3301 Rémi et merci pour le QSO. Bon tapis. Zut. Attention les stations en fréquence pour Dandy 33 depuis Bordeaux Est. Là, il y a des pets qui se sont mis en effet. Les 73-51 de Dindy 33 sur Bordeaux Est. Ah, y a pas mal de surmodulation. Hein. Y a l'Italie, il y a tout ça, il y a tout le monde là qui est sur le canal. Hachi, ça met un petit peu le cacophonie, du coup là c'est un petit peu compliqué l'affaire. Hachi, trois coups. Oh d'accord. Attention les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis la Nationale 89 Bordeaux Est. Hop, j'ai entendu quelqu'un furtivement là. Les 73-51 retourner à la station de Dandy 33. Yeah.
qui regarde méchamment en plus. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la nationale 82 entre 82 et 89 entre Bordeaux et Libourne. On se cacophonie là. Bon, allez, je vais me promener. USA. Putain, qu'est-ce qui vibre la caméra? CQ les X, appel de Bravo de 14, Bravo Charlie 33-01 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. CQ les X, appel de 14, Bravo Charlie 33-01 Opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Quelle direction, mais c'était en français. Bon, allez, j'ai trop chaud là. Les 73-51 tous. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ou alors, si je craque, tout à l'heure. Département 59, les 73-51 du département 33, Dundee 33. J'ai craqué. Attention, département 59 pour le département 33. Ah bah zut, juste avant j'ai entendu le 57 aussi, que j'ai eu tout à l'heure. Attention les stations fixes pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la rocade de Libourne. Ah,
il y a du monde à FM, c'est chiant ça. Attention les stations fréquences pour Nandi 33 qui lance appel depuis la rocade de Libourne. Allez-y, allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. Mais vérifiez votre installation. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dandy 33 depuis le département de la Gironde en QTH mobile Libourne. Si j'ai bien compris, le département de 83, les 73-51 retournés de Dandy 33. J'ai des USA, j'ai tout le monde là-dessus, il y a chier trois coups. Ah, là, ça me démange trop, là. Ah, j'aime ça. Là, il me faut un post-tuning. Ouais, il faut un post-tuning, mec. Je vais plus avoir de voix tout à l'heure. Wait a minute, wait a minute. Did everybody run around? He went shit, Wiper said, what did everybody do? He's running here, running there. He's bad attitude. Wiper said, where everybody running to? Wiper, go, go. 73 for 73 USA for Dandy 23 Sud-Est France.
Alors s'il y a du monde là, ça veut dire que... Eh bien, après c'est quoi, ils sont d'un côté, ils sont de l'autre aussi. Bon. L'autre ligne continue. Là. Hey, je suis à 50 là. Il a trop chaud le bordel. Ah. Hey, break, break, break. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde, des environs de Libourne-Saint-Émilion. Station fréquence à l'opérateur Jean, les Hauts-de-France ont... Oui, Jean, des Hauts-de-France, les 73-51 de Dundee 33 sur le sud-ouest de France, dans le secteur de Saint-Émilion. Ah zut. Alors les autres sont faibles, là vous n'êtes pas obligé. Allez Jean des Hauts-de-France, les 73-51 de Dundee 33, sud-ouest de France, le département du, dans les environs de Saint-Émilion. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui à 60? Le département 82, si j'ai bien compris, il est 73-51, Dundee 33, le département 33, du côté de Saint-Émilion. Alors les stations est faible, vous nous les brisez menu là. Bon d'accord, je râle. Ouais, c'est pas les 73-51 retournés, c'est pas évident avec les autres stations là qui sont à FM. Ils ont pas bien compris que le canal 19 était réservé à l'AM. Aïe aïe aïe. Ah ah, j'ai entendu parler français là. Le truc qui serait pas mal est tout simplement logique. Bon, les SUP, on sait que c'est principalement USB, USB et LSB. Enfin bon, USB.
Les normaux, bah, c'est principalement AM. Donc les inférieurs, eh ben AFM. Ça serait pas mal logique, ça. Mais bon, de là arriver à lancer l'idée, c'est pas gagné. Oups. Tiens, une petite cure de pitbull. Ça marche, ça marche, ça marche. 73-51 de la part de Dindy 33 depuis les environs de Saint-Émilion. Attention, David 33, est-ce que tu peux copier? Pour Dindy 33, affirmatif, c'est QRP, j'ai du monde à FM, il y a de la moustache, tout va bien. Les 73-51 retournés de Dindy 33 en mobile, eh bien, sur la départementale entre à la hauteur de Saint-Émilion. Qui sont ma gauche. Oh, là, j'ai reconnu la modulation, les 73-51, toi. Oh, mais quelle bonne surprise, la Rémi, 73, Rémi et Cédric, la Belgique. Ah, bah, tu m'étonnes que je t'ai reconnu, hein, quand j'ai entendu la voix. Les 73-51, toi, Cédric. Putain, comment vas-tu depuis la dernière fois? Bah, la dernière fois, c'était l'année passée. C'est ça. 73, ça arrive bien de mon côté, les livres. Ah, tu m'étonnes, je le signale, là, je suis en train de rouler, donc je ne le vois pas trop. Parce qu'en plus de ça, vu comment les gens roulent aujourd'hui, c'est pas toujours top. Mais au niveau radio, alors là, tu casses tout. C'est pas compliqué, dès que tu ouvres la bouche, j'ai le haut-parleur sur le tableau de bord qui fait un bon collé au plafond. C'est peut-être un peu exagéré. Juste un peu. Ben c'est tout bon, Rémi, pas trop de problème. T'as toujours une modulation aussi puissante, hein. La vache, ah ouais, change pas de matériel, change rien, rien du tout. Garde ce matériel-là, hein. Si quelqu'un veut te l'acheter, tu lui dis non. Achis trois coups. Oui, Jean des Hauts-de-France, les 73-51, toi, de Dindy 33. Mais je suis pas, c'est vrai que là, je suis pas mal moustaché en plus avec des stations AFM là, de mon côté. Mais ça passait quand même. Ok, j'ai vu. Merci, tout ça retourné. Il y a Cédric de la Belgique là qui est derrière, la plus grosse station de Belgique que tu as derrière en même temps. Ah, c'est... Ah putain, non, ça me casse les oreilles.
Ouais, malgré la moustache des stations FM, ça a passé, ça a réussi à passer un petit peu quand même. Les 73-51, la station de Dundee 33 en mobile, dans les environs de Saint-Émilion. Le Pas-de-Calais, les 73-51, le Pas-de-Calais de Dundee 33 sur le département de la Gironde en mobile. Attention, 14, bravo, Charlie. Pour 14, bravo, Charlie, 33-01, les 73-51 retournés. Voilà, de Dundee 33, 14, bravo, Charlie, 33-01, à Chy, j'ai déjà dit. En mobile sur le département de la Gironde, et pas loin du Cuirat en plus. Bonjour de Frédéric, Gironde. Ok Frédéric, les 73-51 retournés à toi, mais c'est vrai que là c'est compliqué. Hein. Il y a du monde. Bon, de toute façon, il va falloir que je QRT ce coup-ci pour de bon. Alors, ce coup-ci, il faut vraiment que je QRT pour de bon. T'as, il fait chaud ici. Et 73-51 à tous. Ce coup-ci, c'est vraiment pour de bon. Dundee 33, 14, bravo Charlie, 33-01, Rémi. En mobile, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, il fait chaud. A plus. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.